James. J'entends la boutique. Oh oui, je veux.
élevée, j'en ai mon sauveur, je le dis à tous. Mon pardon, j'entends le sauveur, j'entends le sauveur, j'entends la bonté de l'enfer. Amen. Je veux, oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux chanter mon sauveur. Quand cantique qui dit un jour m'a suspendu chanter mieux. Voix m'arrêter sans ne pas chanter. Oui, avant souffle nous couper, on a dit je veux, oui, je veux chanter mon sauveur. On a prié ensemble. Saint, 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 trois fois Saint. Est le nom de l'Éternel des armées. Lui qui donne sa vie pour nous sauver du péché. Lui qui accepte l'ignominie pour nous donner la paix. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à son sacrifice sanglant, à la croix, où son sang coula pour nous purifier de tout péché. Ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et surtout, pour la vie éternelle que tu nous donnes à travers Jésus-Christ et par la foi. Seigneur, merci pour les provisions de toutes sortes que tu nous as donné la semaine dernière. Et encore une fois, pour les provisions que tu as déjà pour nous pour cette nouvelle semaine. Merci de nous avoir guéris de tous nos maux. Merci Seigneur de nous avoir consolés de toutes nos détresses, nos inquiétudes. Merci d'avoir été pour nous également, Seigneur, un abri sûr, un refuge, un sauveur, un maître sur qui nous pouvons compter. Reçois ce matin notre requête et fais, Seigneur, ce que tu veux parmi nous, afin qu'il y ait au milieu de nous des hommes et des femmes qui soient capables de comprendre ta parole et de l'accepter telle qu'elle est. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la vie éternelle. Merci Seigneur pour vous ne vous dire que vous rendez possible. Pour tes petites filles et petites garçons jouent ensemble. Pour vous faire service. Remplis que nous avec sagesse et intelligence. Des paroles qui pourraient parler là. Capables au bénéfice de tout chacun. Et en retour, ou même en tant que Dieu, et que ton nom soit glorifié. C'est là le cri de notre cœur. Et c'est ainsi que nous t'en prions, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, on le fait encore, on a un privilège et le plaisir pour m'avec vous, dans un certain temps, pour nous capables de partager ensemble la nourriture spirituelle qui c'est la parole de Dieu. Donc, le grand sujet d'a traité, ça fait des semaines, et sur la pauvreté dans l'Église, nous avons touché pas mal de points déjà. Et aujourd'hui, pour fermer le sujet, on est venu avec celui-ci, cette raison pour laquelle nous devrions nous soucier des pauvres. Il y a des gens qui pensent que se soucier des pauvres, c'est une faveur qu'elles font aux pauvres. Mais ce matin, nous allons vous prouver à travers des textes bibliques que quand on se soucie des pauvres, ce n'est pas une faveur. C'est un devoir et même c'est une obligation. Car Jésus-Christ est Dieu lui-même. Ils n'ont jamais
manqué de mentionner ceci. Il faut que nous nous soucions des pauvres. Nous allons regarder dans peu de temps que nous avons inquiété. C'est cette raison pour laquelle les vrais chrétiens devraient se soucier des pauvres et surtout des pauvres dans l'église. Des démunis, des nécessiteux, ceux qui ont des besoins pressants, c'est pour nous gagner un souci de eux-mêmes. Premièrement, raison qui fait nous douer, gagner compassion, gagner souci pour pauvres, c'est parce que le pauvre, l'indigent, est notre prochain. Première raison, c'est parce que le pauvre est un prochain. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 27, voilà ce que nous lisons. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Et les veuves, je m'excuse, dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Nous pouvons tous constater que la religion crée pas mal de problèmes dans le monde actuel que nous vivons. Il y a pas mal d'istes, le baptiste, le bouddhiste, le pentecôtiste, l'adventiste. Comme j'ai dit souvent, il n'est pas question de ist, mais il est une question de Christ. Mais pourtant, à travers toute la Bible, on ne peut pas faire une pile parole, une pile de religion. Et pour les gens qui connaissent la Bible bien, je pense qu'il y a deux livres qui parlent de religion. Et ceci dans quatre versets, deux de chaque. Il y a le livre des Actes des Apôtres et il y a le livre de Jacques qui n'a pas là. À travers toute la Bible, on voit une religieux, mais religion n'est pas en Bible. Et on bagaille, on livre qui a 66 livres là-dedans. Donc si religion, t'es un bagaille qui est plus important que ça, même genre péché, sanctification, repentance, conversion, vous n'avez pas de foi dans la Bible. On pense que nous avons une religion. On ne pas faire comme cas de religion. Et c'est ça, Jacques dit, dans Jacques chapitre 1er, le verset 27. Il dit la religion pure et sans tache. Tout ce qu'on a dit, is pancotis, whatever is here. Il dit vraie religion, hein, qui pas de tache, qui pure là, devant Papa bon Dieu, c'est le monde qui visite les orphelins. Orphelins, ceux qui n'ont pas leur père et leur mère. Le monde qui a grandi sans maman, sans petit monde, sans papa. Et il dit les veuves, celles qui ont perdu leur mari. Et puis, il n'y a pas d'assistance sociale. Il n'y a pas de monde qui supporte. Il n'y a pas de payer caillou. Il n'y a pas de manger. Les vraies veuves. T'as quoi, Mdabdi? Mdabdi, encore, ce n'est pas pour faire rire. Mais c'est une réalité. Il y a de fausses veuves dans l'église. Des gens qui sont morts, mais ils ont un ménage en bas. Capté qu'elle. Ça, c'est pas veuve. L'église va considérer comme veuve. Et veuve, c'est les gens qui sont morts. Ils ont été sans ménage, sans boubout. Et puis, moun sa yo, yo pa gen de moyens nan men yo pour yo vivre, l'église doit assister. Moun sa yo mette au service de l'église. Orphelin et les veuves. Et chaque fois, ouais, orphelin et veuve, il faut penser aux pauvres. C'est là qui pa ka aide tête yo. Donc, c'est ça la vraie religion. C'est pas toutes sortes de moun a prêché. C'est moun qui fait cas de moun sa yo qui n'a besoin, qui pa capable. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la veuve et l'orphelin sont les figures par excellence de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ils nous permettent aussi de voir concrètement comment peut se manifester l'amour du prochain auquel Christ nous appelle. Dans Matthieu, le chapitre 22, les versets 37
pour arriver verset 39 et dans Marc le chapitre 12 les versets 30 et 31. Mais qui ça le dit? Jésus-Christ répond avec Silao qui était adressé avec lui-même. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La Bible nous dans Exode chapitre 20, 10 commandements. Et Jésus-Christ parle fini, il dit comme ça que dans 10 commandements, moi-même personnellement, moi réduis en deux. Premier grand commandement, ou après mes bon Dieu avec tout cœur, toute pensée, tout nom, tout l'esprit. C'est le premier commandement. Et deuxième, ou après mes prochains, même gens ou remettre tête. Mes amis, je ne sais pas qui je ne considère parole bon Dieu David. Même impression, laissez parole bon Dieu parler, pas de trop attention qui prêtait. Pourtant, laissez un chef d'État, un président quelconque, ou bien un chef de groupe, tout le monde à l'écoute pour entendre non seulement entendre retenu, mais mettre en application. Mais la Bible, personne n'a pas fait carton. L'amour du prochain. Qui est-ce qui prochain matin? Qui est-ce qui prochain matin? Pas besoin à l'angle dictionnaire français pour me comprendre ça. Prochain, il dit proche. Proche. Proche, sorti dans proche. Moun qui proche, voisin ou non. Moun qui dans l'église. Non, pas qu'il veut toucher le monde entier. Ma tout ça, sincèrement, il y a des gens qui ont levé matin, là, il n'y a pas qu'à manger. Si je suis là, je ne vais pas l'acheter manger pour eux. Et je ne vais pas aller à l'église pour contribuer pour eux, même 10 à 100 personnes manger matin, mais pas après nous. Et on a dit. Mais si nous avons des gens qui nous ont grandi pour manger, c'est au prochain. Si nous avons des gens dans l'église, nous suspectons qu'ils ne sont pas habillés bien. Nous suspectons qu'ils ne peuvent pas nous soulier pour nous mettre par nos rats, c'est prochain. Bon, la carrière, si vous voisin, vous sentez que vous avez mal pour lui. Parce que j'ai nous pas, nous, et nous, nous ne pouvons pas nous protéger. Si vous avez ce sens pour dire, un tel, moins un tel, chic, chic, choc. Comme ça, nous ne sommes pas ni chic, ni chèque, ni choc, mais chaque. Je ne vais pas nous dire. C'est waouh, un tel chic, chèque, choc. Mais là, un tel pas chic, chèque, choc, un tel chaque. Un tel choc, c'est un coup de chakamaï. Donc, soit un chaque matin, un coup de chakamaï, font bagaille pour lui. Font bagaille pour lui, parce que c'est ça l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le deuxième commandement. Et là, il me dit déjà, c'est le second. Parce que début, on dit second, pas avant troisième. Si tu dis deuxième, donc à espérer au troisième, il réduit le deux. Il dit premier et le second. Et que depuis le fin du second, on campait là. Et à travers ces deux grands commandements, nous venons toute notre esprit. Parce que sous l'amour du prochain, on ne peut pas voler à faire le vin. On ne pas voler. Il y en a un commandement. Sous l'amour du prochain, on ne peut pas touiller. Pas touiller. Sous même mon Dieu, tu ne peux pas prendre la vie du monde. C'est interdit. Donc, maintenant, il est important pour nous jeter des regards favorables sur des sœurs, des frères qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui vivent seulement pour eux. C'est « me, myself and I ». C'est ça que vous dites « me, myself and I ». C'est ça que vous dites « selfish ». Moi-même, moi-même, moi-même. Et il y a des gens qui viennent dans la prière qui font ça. Les prières, Seigneur, même à une d'amour, même à dame d'amour, même petite d'amour, même à même d'amour, même à maman d'amour, mais jamais les autres. Listen, si vous voulez que vos problèmes soient résolus, c'est pour prier pour les autres, en priant pour les autres, ou même, bon Dieu, fait qu'il soit à vous. Il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Donc, premier, nous avons dit première raison matin, hein, qui fait nous de pencher un regard favorable sur bon Dieu, c'est parce que les pauvres, ils sont nos prochains. Nos proches, nous. Il faut passer avec eux. Et la Bible recommande ça. Bon, deux textes, Matthieu chapitre 22, 37 à 39, Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Dis-y comme ça, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, ces deux premiers commandements. Aimer mon Dieu avec tout cœur, toute pensée, tout l'esprit, tout l'amour, et puis aimer profond, même j'en remets. Deuxième raison pour laquelle nous les chrétiens, nous devrions nous soucier des pauvres. Surtout de ceux-là qui sont au milieu de nous. Parce que ça procure du bonheur. L'on aide au monde, ça fait cœur content. L'on aide au monde, ou loger même au monde, ou assister au monde dans le besoin, ça réjouit cœur. Acte chapitre 20, le verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole là, nous disons, mais nous pas mettre en application. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur au bail que l'on recevoir. Nous souvent disons que nous seulement recevoir. Nous pas jamais bail. Mon cousin qui a vu du côté de New Jersey, monsieur interprété ça de l'autre façon. Et qui est très belle, je vais le partager avec vous. Il dit qu'on sait que les gens sont plates, mais au seul moment, on ne peut pas donner, on ne peut pas dire. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que l'on peut se voir ouvert, mais l'on peut pas ouvert, mais on ne peut pas dire. Donc pour monsieur traduit ça de l'autre façon, il dit que les gens sont plates, mais on ne peut pas donner. Donc si les gens sont en train de dire, frère, ou femme, ou donner. On va suspendre, frère, ou plate. On ne peut pas dire avant. C'est pour bail. L'on bail est bénédiction. Ça. Il y a plus bonheur dans le bail que l'on recevoir. Acte le chapitre 20, le verset 35. Tenez bien, certaines études scientifiques semblent aller dans le sens de l'enseignement biblique en affirmant que dépenser une partie de son temps ou de son argent pour faire du bien à autrui permet de se sentir plus heureux. Ça, c'est une étude scientifique. L'on dépense le temps ou dépense l'argent dans un monde pour faire le bien, eh bien, ça fait heureux. Alors, faisons-nous du bien et dans les autres. Donc, même la science rivée prouvait ça. Parce que tu vois, alors, aider un monde qui était dans besoin, et pour retirer le besoin, un monde qui a souffri, et un monde qui était grand goût, et pour ne pas manger. La Bible dit si, Jésus-Christ dit ça, sous un verre d'eau froide, à l'un des plus petits de mes serviteurs, vous serez récompensé. Un verre d'eau froide, côté des potes, tu vas passer au monde pour qu'on les prenne, des récompenses pour ça. Et sous un verre d'eau là. Et sous un verre manger pour une semaine. Il y a un monde qui a besoin de chercher. Il n'est pas nécessaire, papa. Ici, dans Haïti, nous n'avons pas qu'un souffrir. Cherchez mon, dis, regardez pour moi, où mon nous a fait confiance, où on t'y parle, où quelqu'un qui mon cap souffre, qui besoin de l'école, achetez balise pour vous, payez-moi l'école ça pour vous, faut pas perdre ça. Ça c'est deuxième raison, hein? C'est parce que ça procure du bonheur, donner aux autres, donner à ceux qui en ont besoin. Troisième raison, hein? C'est parce que nous pouvons être à leur place. Ça c'est intéressant, hein? C'est parce que nous t'écartons même tout, nous t'écartons en place. Combien de gens matin là qui blie quand ils sont là? Je vous dis, je vais vous rappeler. Combien de gens qui blie quand ils sont là? Je vous dis ça moi-même. Je vais me cacher quand ils sont là. Je suis un homme qui grandit. Pas dans l'opulence. Mais je grandis dans la misère. Je suis un homme qui souffre mal à l'école. Marcher des kilomètres de Cafoufin pour arriver à. Côté ça, terre là encore. Zone Saint-Jean, Canada. Toujours, merci. Je suis sorti jusqu'à Foufeuille, dans l'église Wesleyenne. J'ai un petit garçon, 13-14 ans. Chemise blanche sous moi, et puis je marche. Vous comprenez, c'est une petite distance petite, 10 km. Pour me arriver là, pour me retourner encore. À pied. Et des fois sans manger. Most of the time, with no food. Ça fait des années comme ça. La vie n'est pas facile. Je vais aller vivre une parent qui m'a marché dans l'école. Je n'ai pas accès pour prendre un taxi tout le temps. Ma chapille. Et peut-être si je vis aujourd'hui à 7 plus marché, ça va pas ma chambre. De prendre pile soleil, de dégager en pile calories, de bouillir en pile calories. Donc il fait là. Ce n'est pas ton mal. Trop. Et parce qu'on y a même qu'à faire exercice, même qu'à marcher. Donc je me suis quand je suis sorti. Pour me définir
études classiques, moi, j'ai pris du temps pour me rentrer dans l'université. C'était pas facile. Parce que j'ai mon époque, je suis dans la faculté de droit, je suis dans l'institut haïtien, je fais faculté de droit dans le matin en 91, c'est avec promotion dans la faculté de droit, 91. Et puis là, je finis dans l'institut haïtien, sans manger. Moi, ils vont compter, c'est là, ouais, Greenland, c'est ça, c'est ce que je consomme. Carnation, poudre, boîte Greenland, je ne peux pas mettre de nom, je secoue et puis je mets tout le sucre dans le bois. Je fais des temps à vivre comme ça. Et je promets tout le monde une photo, je vais chercher. Je dis ça déjà, une photo que tu es même depuis longtemps, parce que bien. Vous avez une photo ça? Mais c'est ça, je dis seulement que songer le photo ça. Montrez la photo à l'église, pour que ça me cache. Et puis, où est-ce que ça me paraît? Mais quand il y a assez de viande, vous comprenez? Regardez, je vais casser votre toute la sainte jour. Je ne vais pas viande, je ne vais pas viande ce corps. C'est pas vrai, je ne vais pas Papa, ma province, maman, province, des fois, je vais me faire. C'est dur pour moi. Alors, je dis à ce que je vais m'établir au monde qui dit, je vais marcher des kilomètres pour aller à l'école, pour le donner un bac à faire avec moi. À moi, ce que je me donne un gars. De manière, je m'empile, je m'empile ici déjà. Dès que je suis campé devant, je suis capable de me faire. Je vais travailler avec mon élément. Je ne vais pas citer non, parce que je suis à vivre toujours. Mais je suis du côté de marchand de salut. Je suis dans le CRS, dans le travail. Bureau noté face à face. Dans la section comptabilité. Et puis, je montre une petite photo. Laisse ça pas de bon. Et puis, quand il y a l'envie de travail, cravate dans le cou, beau petit garçon. Et puis, monsieur, regardez, vous me dites, waouh, si je monte chez toi, il t'a regret, t'as qui on fait un petit garçon. La même bonjour à vous. Ça, comme je dis, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont tout pour qu'on ait beauté. Parce que misère finie avec. Mais là, il n'y a pas bon ici, tu commences à manger chicken. Tu dis, oh, t'as qui c'est ton belle petite fille, un beau petit garçon. Si l'on va manger, pas de viande, on va ensemble, on cherche quoi. Cherche quoi. Donc, bagala, maman. Well. Troisième raison, c'est parce que nous pourrions être à leur place. Nous sommes capables de pauvres tout même gens avec nous. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, les versets 13 et 14. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager, les autres, mais de suivre une règle d'égalité. De suivre une règle d'égalité de la circonstance présente, votre superflu, je m'excuse, pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres en sorte qu'il y ait d'égalité. Ou est-ce pile monde qui a souffert l'église? Pour qui ça? Parce que nous refusons de nous référer à l'église primitive. L'église primitive n'a pas de valeur. On peut comprendre que c'est une autre idéologie. Par exemple, il y a dit tout le monde vend son gagné, poté au vin, mettez ensemble, et puis ça, il y a fait, il a distribué selon le besoin de tout et chacun. Il n'y a pas fait comme ça encore. Avec le temps, ça change. Mais bon, j'ai un décafel. Je m'a dit poté tout son gagné, mais mes amis, attendez. Ça m'a dit, c'est ça. C'est pas, et pas parce que je baladin qui m'a dit, même qu'on est qui gagné. Des gens qui gagnent dans le monde. Et comment c'est ce pasteur? Qui est pasteur qui a pris l'argent? Qui est pasteur qui a pris l'argent dans le monde? Des pasteurs haïtiens, pas à l'étranger. Des pasteurs haïtiens qui gagnent comme l'on pour côté, font printemps pour hôtel. Il n'y a pas de famille. C'est me, myself and I. Je me, moi. That's it, je me, moi. Pas que tu n'as pas là, pas que il, pas que nous. C'est je me moi, toute bagarre concentrée sur vous. T'es gagné un auteur espagnol, vous parlez Ortega, m'libère ça longtemps. Il dit que ça, ma prière, c'est moi et mes circonstances. Quel égoïste. Ma prière, c'est moi et mes circonstances. Je m'en fous des autres. Pas songer, non, mais son espagnol. Je dis, ma prière, c'est moi et mes circonstances. Non, tu vas la donner. J'espère que vos prières ce matin ne sont pas les vôtres et vos circonstances. Prions pour vous-même et pour l'autre. Well, c'est ça le dit. L'autre a aidé. Moi-même qui l'aime, je bagaille. Moi-même qui l'a son miracle. J'ai un cousin qui feu, malheureusement. Monsieur Mouri. Les mois rentrés, Port-au-Prince, dans la troisième année. Faculté de droit, et puis je rencontre un monsieur miraculeusement.
Il fait un plan la vie où il a mis mon Dieu. Et puis, nous faisons connaissance à partir d'un cousin qui est en province qui est dans mon commission. Et puis, les malouins, monsieur, monsieur dit, comment quand on connaît tel? Je dis, tel c'est cousin parce que maman et tel à maman, c'est jumelle. Et puis, même quand il y a monsieur, ouvrit deux bras pour le recevoir. Et puis, nous parlons, nous faisons connaissance, bah, ça, monsieur, t'es vraiment apprécié. C'est à partir de ce moment, et puis, monsieur dit, ah, mon cher, vous qui j'ai bagaillé, ou c'est avec l'église, ou fiancé à l'organisation mari, il faut mon job. Effectivement, monsieur, mon job. C'est mon job dans CRS, Catholic Relief Service. Vous commencez à travailler comme bookkeeper, ça a eu le teneur du livre. À partir de là, qui mène pas ici? Ou qui vient monsieur faire? Et venez pas pour ici, mais dans paquet de monde. Si mon nom fait ici, qui sont privilèges. Vle ou pas, on te femme de m'en crier parce que ici, mais je dis à me lever, je me dis Seigneur merci parce que t'es qui plan. On m'a remis ça de bien dans Haïti. Parce que monsieur fait bien avec, il fait bien avec un paquet de monde. Et même avec tout le fait bien, mon gars, je veux dire comme pasteur aux États-Unis, car moi c'est la parole de Dieu. L'on fait bien au papa Dieu. Est-ce que je suis ingrat à un tel monde? Si monsieur te quitte, je dis non, parce que grâce à Dieu, dans l'école, mais il n'y a plus de monde à l'école tant qu'on n'a pas arrivé ça. Donc c'est parce que je fais bien. Donc fais mon bien dans la vie. L'on aide au monde, c'est tout ton femme qui aide en Haïti. L'on aide au monde qui commerce en Haïti, ou aide des dizaines de personnes. Mais pour faire bien, faites bien, s'il vous plaît. Pas négliger, fais ça. Il faut reconnaître tout envers le monde qui fait bien. Il y a un monde qui est gras. Nous espérons que ça l'église dans l'après-midi. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Mais ça nous lit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ouais, principe ça, sinon, grand principe ça, pas de monde qui a des problèmes avec personne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, toutes sortes à remettre, il y a un monde fait pour vous, faites-le pour lui d'abord. Des monde, il parle les avec mon jeune, mais il ne va pas parler les avec. Des monde, il m'a dit pour apprécier le ciel, mais il m'a pas apprécié. Des gens qui ont dit le soir, mais on va jeter le soir sur ton bouche. Does it make sense? La vie n'a pas le seul sens. Il n'a pas le sens unique. C'est rentrer sorti. Sortir, mais notre affaire pour faire pour lui d'abord. Principe biblique. Or, nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Peut-être qu'un jour, nous pourrions à notre tour sans nous réjouir. Nous pourrions à notre tour nous réjouir d'être au bénéfice de la générosité d'autres personnes. Ou pas, je me connais. Ça, la vie est réservée pour vous. Il y a un jour qu'on s'attend. Ou qu'il y a un monde qui est généreux vis-à-vis de vous-même. C'est ça qui fait bien tout ton capable. Quatrième raison, hein, pour aller un petit peu plus vite pour les appâts bueno, c'est parce que Dieu nous le commande. Son commandement lié. Bon Dieu commandait que pour nous des soucis pour pauvres. Bon Dieu commandait que pour nous des monde qui n'est pas capable de nous aider. Et puis, il y a un monde qui est mais il y a un côté pour nous seulement pour nous. C'est pour bien habiller. C'est pour nous féliciter. C'est pour nous pour mais l'autre monde, et puis, il y a un monde qui est amusé. C'est pour nous camper sur tout le monde. Pour nous baisser l'autre là, pour nous pas jamais l'autre là. Attention. Qui sont venus dans ça comme gloire? Ou pas connaître ça quand on l'a le grandit avant, les plus bonbons, les pas tous nos adversaires pour. Et ça fait qu'un pile ennemi en Haïti. M'a p'tit des matins, et chef, comme 400 marozo, pas 400 marozo, 100, pas connaître. Qui dit qu'on s'accueille, n'est-ce qu'il y a allé, il a nettoyé la rue, dans le coin des bouquins, et puis la police débarque sur le tir. Et puis il dit qu'on s'est à partir de lundi, tout le monde est capable d'approvisionner jeudi et hier. Mais à partir de lundi, bon, yo même, quoi de bouquet même. Chef Bandi. Cela veut dire que, monsieur Sarvin m'a dit, je ne sais pas quoi c'était voulu, mais leur situation permet de vous m'a dit. C'est une raison, malgré mes problèmes avec eux, même pareil, ils ont prié pour eux. Parce que je suis en place. Donc, bon Dieu commande ça dans Galates, chapitre 6, le verset 10. Il dit, ici donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. D'ailleurs, vous comprenez ça. Pratiquons le bien envers tous et surtout
envers les frères dans la foi. Pas d'exception. Tout le monde veut nous faire bien faire bien, mais surtout, les gens qui sont dans l'église avant. Les gens qui sont dans l'église avant qui font du bien. Ils ont besoin d'assister. Les gens ne peuvent pas prendre rien dans eux. Ils ne peuvent pas prendre rien. Et pour ces frères et sœurs, moi je dis non, je ne vais pas perdre du temps avec les gens. Si je suis là, quand je suis en goût de manger, je ne vais pas parler français ni de blague. Je suis en goût de manger là, mais bon, j'en ai. C'est quand vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit fin plein m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit que bon Dieu bal de livrance. Vous m'avez dit que vous besoin de $300 pour prêter. Et pour la velle, comme la namel. Et puis vous prier. Ma petite sème d'âme prier, mais elle a tellement chaud qu'il m'a dit que l'autre côté. Je ne vais pas prier avant. Parce que vous avez $200 avant moi. Vous avez $300 avant moi. Et puis vous l'avez résolu. C'est une bénédiction. Pour ça, m'oblige à le prier, à le chercher de l'autre côté. Ça, pas l'évangile Christ. Il dit que ça fait bien pratiquer bien avec tout le monde, surtout le monde qui est dans l'église. Là. Plus qu'un simple encouragement, l'appel à traduire notre amour en acte est véritablement un commandement qui nous est donné par Dieu. Alors, ne ménageons pas nos efforts pour faire le bien autour de nous et n'ayons pas peur de sortir des murs de nos églises. Non seulement pour nous faire bien l'église, mais pour faire ailleurs. C'est qui a raison, Martin, frère Maxum, pour nous faire bien avec Povio, parce que ça pourrait être un péché que de ne pas le faire. Son péché lié sur vous ne faites bien, pas faire. Les bibliques, nous voyons le bon texte qu'on y a. Dans Jacques chapitre 4, le verset 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas commet un péché. Vous comprenez ça? Si vous bien pour te faire pas faire ou commettre un péché, un péché. Et 6, numéro 6, sixième raison pour finir, parce que Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres. Bon Dieu bénit le monde qui prend qu'à pauvre. Proverbe, le chapitre 22, le verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Parce qu'il donne son pain aux pauvres. À plusieurs reprises dans la Bible, il est annoncé que Dieu est bon envers ceux qui se soucient des pauvres. Que ces bénédictions soient sur notre vie présente ou pour celle à venir. Pourquoi ne pas investir dans les choses qui comptent et nous placer au bénéfice de sa grâce? Bon Dieu, bénis Sila ou qui bénit pauvre. En fin de compte, la septième raison et la dernière, parce que ça rend gloire à Dieu. L'offre au monde bien, bon Dieu, prend plaisir même. Je vous dis tout à l'heure, il dit que bénédiction pour le monde qui baille un verre d'eau froide. Jésus, qu'est-ce qu'il dit par ça? Un verre d'eau froide qui ne coûte rien. Parce que l'on tourne au binaire, on met donc comme la donne, ou pour un petit l'eau, et pour baille, on ne sait pas représenter absolument rien. Que bénédiction la donne. En regardant, il dit dans Proverbe 14, verset 31, il dit, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. L'on opprime le pauvre, c'est pour Dieu même nous attaquer. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. L'on a pitié pour l'indigent, c'est pour Dieu honorer. Mes amis, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, je pense moi-même qu'il est clair ce matin. Et que les raisons pour lesquelles nous devons nous soucier des pauvres, et la Bible est très claire là-dessus, vous pensez que pas gagner excuse à partir d'aujourd'hui, à partir de cette raison pour lesquelles nous les chrétiens, nous devrions nous soucier des pauvres, pas gagner excuse. Et pour conclure, Dieu est souverain sur toute chose. Bon Dieu a une domination sur toute chose. Mon Dieu a un pouvoir sur toutes choses. Dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 2, il dit, le riche et le pauvre se rencontrent. Nous sommes besoin. Le riche et le pauvre, ils se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. D'ailleurs, le riche comme le pauvre sont faits à l'image de Dieu. Garantir sa dignité à celui qui est dans le besoin revient alors à glorifier son Créateur. À quoi ça sert
de gagner, de posséder tout le monde. Sans prendre soin si là on a besoin. On t'a dit dans l'étude de fait, comment faire du riche et puis ceux qui sont autour de vous sont pauvres. Ma foi prophétie, car je ne suis pas un prophète de malheur, même capable de prévoir. Où est-ce qu'on vient en Haïti? Regardez bien et suivez avec attention. Si monsieur, les dirigeants, les politiciens, pas fongeants, dans pile policiers qui ont perdu la vie, dans pile bourgeois qui ont mouru, le peuple a marché pour la devoir. Il commençait déjà. Barbecue rentré dans toute cité soleil. Il montrait comment Mounio vivre dans la boue, dans la fatra. Il dit Mounio, dans les jours à venir, m'a passé pour nous, nous pas chercher à manger. Ça veut dire que l'un pas chercher à manger, c'est pas bravo, le balbat, c'est zame à la main. Si on pêche de manger, la toujours. Pour vivre bien, il faut moun sou koto yo bien. Pour vivre propre, il faut moun sou koto yo propre. Ou papa clair, on est qu'on riche ou bien. Mais des bourgeois mal propres, des bourgeois salopes, permettez-moi l'expression. Quand vous rentrez dans le cabo sale, tout sale, il va même ranger le cabo sale. Il y a fait millions et puis il monte dans les hauteurs de Pétionville, dans les hauteurs de Péguiville, Montagne Noire et autres, Vivi Michel, par contre, les zones où étaient. Et puis il vit bien, il saute dans la boue. Hein. Et combien de temps un homme qui n'a pas manger, qui n'a pas petit manger, qui n'a pas fait bagarre comme ça. On le. La petite sale fait le fait. Que ma tako m'a mouru, que ma tako m'a mouru. La patako l'a touyo, l'a touye madame, l'a touye petit pour le vivre, pour prendre tout son. Pas besoin d'arriver là. Donc, son prophétie, nous t'a souhaité le arriver là, mais si monsieur continue de sa faire, d'ailleurs, il commence déjà. C'est barbecue, quand on a barbecue, qu'on a son leader en Haïti. Son leader, il se dit révolutionnaire. Mais soit regardez, monsieur son leader, on est le palais, ils ont pile monde d'elle, c'est un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Verbe là, c'est tout lead, monde qui a conduit le monde. Ok, ça veut dire que barbecue, qui est plus monde d'elle qui ont candidat à la présidence en Haïti. Pour qui ça? Parce que l'affaire sociale. Vous avez hier, vous avez côté dans la cité soleil, vous avez dit que ça, barbecue, merci, c'est pas vous, mais on a qu'à faire ça, on a qu'à faire ça. Tandis que, monde qui a posé candidat, pas passer dans la zone, il va pas manger. Nous avons les pères qui dit que ça, même là, on va faire mal, on va faire un barbecue, on va faire un barbecue, on va faire un barbecue. On a un salope qui est tout barbecue, non. On a toujours un barbecue vivre. Parce que le barbecue est capable. Malgré son bandit. Donc, frère Maxime, s'il vous plaît, le peu que vous avez fait, pas négliger, pas dire trop petit. Ok? Le peu que vous avez fait, bon, vous avez supporté. Supportez-le. Je vais vous dire pour me finir. Quand il y a des gens qui ont kidnappé l'Haïti, c'est parce que les gens qui ont kidnappé ne vont jamais aider. Regarde, ils sont dans une zone où ils ont grandi. Ou qu'on a fait un babon, aller ici, bagarre là-bas, pour voir un monde où ils ont fait un cadeau. Et puis, quand on a montré ici, ils ont fait plein de kidnappés. Ils ont kidnappé. Même si les gens ont sauté, qu'on est d'elle, ils ont dit, ah, ils pas comment, non. C'est l'école de tout le monde, c'est l'école de manger tout le monde, la protéger. Et par le fait qu'on remet tout pour qu'on tourne, un pour l'autre, ou aller l'autre bois, ils ont kendo, ils ont marié, ils ont fait un pile, ils ont fait un pile, ils ont. Pourquoi je fais ça? Vive en paix avec conscience. Aidez si là où vous avez besoin. Assistez-vous. Ti crasse qu'on cabaye. Ok? Ou bien 10, pas 5, ça ne peut pas déranger. Mais vous avez dit, mago, il a semblé, mago, il a semblé. Comme si demain c'était pour vous. On nous aide, on a clôt. Et maintenant, après service ça, après étude ça, on a demandé si tu as un monde dans la salle. Par accident. Qui n'est pas trop généreux. Qui n'est pas aidé monde. Parce que c'est un don. Le don de générosité. Il y a des gens qui n'ont pas de don pour le bail. Donc, on te dit que les gens, c'est plate, mais on ne va pas jamais donner. Maintenant, on va le prier ensemble. On va dire, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi le don de générosité. Donne-moi un esprit de partage. Pour me capable de connaître qui est-ce qui en a besoin. Et là, on a besoin de me capable d'aider. Selon moyen pas. Combien de gens qui veulent faire ça? Je vais inviter au fur et à mesure. Fais mes yeux ensemble avec moi. La demande du Seigneur pour changer nous. Parce que et pas l'offre de chrétien sauvé. Il y a plus de bagages pour faire. Si vous ne partagez pas avec vous, pas sur vos bagages. Elle dit ça. Mon qui est frère a besoin de faire un gel sous lit. Bon Dieu, pas d'accord avec vous. Souvent bien pour faire pas faire ou commettre un péché. Combien bien ou jouer pour faire ou pas faire. Matin, apprendre que tout bien est jeune pour faire pas faire son péché ou commettre. On a prié, on a demandé mon Dieu pardon.
péché nous commettons déjà, et nous demandons bon Dieu pour libérer le don de générosité, le don de partage, pour nous avoir sentiment, les nouveaux frères dans le besoin pour assister. Pour nous avoir sentiment, les nouveaux frères dans le besoin pour assister. Donc, même si vous ne pas lever main, mais nous avons fait mes yeux, prie dans le cœur pendant que je prie à haute voix. Seigneur, toi qui es riche en bonté et en miséricorde, tu pardonnes les péchés des parents et des enfants de génération en génération. Et tu dis, Seigneur, si quelqu'un déclare qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Donc, Matthieu, Romains chapitre 3, dit, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est sûr et certain. Nous commettons des péchés envers ses acteurs, que nos frères nous devons aider, nous ne pas faire ça. C'est sûr et certain, Matthieu, nous ne pas gagner le don de générosité dans le cœur, nous ne pas gagner le sentiment de partage. Et nous confessons pour ça. Nous demandons pardon, Seigneur. Dès ce moment, dès cette présente minute, oh Dieu, trois fois saint, nous demandons, fais-nous grâce et introduis dans nous, dans le cœur, nous, le don de la charité, le don de l'amour, le don du partage, le don de la générosité. Et mettez l'esprit dans nous-mêmes pour nous connaître. Seigneur, monde qui n'a besoin. Pour révéler nous des frères et sœurs qui n'ont besoin qu'ils n'ont assisté. Et nous connaissons leur plaisir. Matin, fais ça pour nous. Nous prions pour chaque monde qui t'a entendu des paroles, ça, que nous aurons les causeries bibliques. Eh bien, il va percer cœur. Il va rentrer dans la vie. Il va avoir un changement radical. Et ce sera pour la gloire de ton nom. Sois avec nous, Seigneur. Surtout avec ceux-là qui sont malades parmi nous. Des gens qui ont souffri. Des maux incurables. Des maladies que le docteur n'a pas même gagné pour eux. Malgré les médicaments qu'on prend, rien n'a changé. Ceci n'empêche pas cela. Mais maintenant, toi le vrai guérisseur, toi le docteur par excellence, le plus grand physicien de tous les temps, nous te demandons, oh Dieu, dans toute ta grâce, dans ta miséricorde, aie pitié de tous ceux qui sont malades parmi nous cet après-midi. Nous sommes capables de longer ta main guérissante. Ou capables de toucher, Seigneur, avec main, de la même façon dont, Seigneur, femme qui était perdue de sang pendant 12 ans, elle était touchée que robou. Eh bien, passez dans mi-temps par la foi pour nous toucher et pour nous faire une guérison pour maladie. Il y a des gens, Seigneur, qui ont souffert des problèmes, qui n'ont peut-être pas maladie, mais des problèmes familiaux, des problèmes à caractère social, à caractère sentimental, problèmes à caractère spirituel. Matin, nous dit au nom de Jésus, que problème ça a une solution pour nous être capables de vivre libre et pour nous capables de servir comme des enfants de Dieu. Avec nous, ça, Seigneur. Et nous remercions pour une nouvelle semaine qu'on fait nos cadeaux. Nous avons nous protéger nous tout au long de cette semaine. Et Seigneur, bannons des provisions que nous n'avons jamais eues auparavant. Non seulement provisions de protection, provisions de sécurité, provisions en aliments, provisions, Seigneur éternel Dieu, dans tout ça qu'on a besoin pour nous vivre. Et c'est comme ça, Seigneur. S'il l'a volonté, on va retourner encore par Maurice la dimanche pour nous continuer à faire le travail. C'est comme ça nous prions, ce n'est pas parce que nous sommes bons ni dignes. Mais dans nos sauveurs Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, merci pour votre patience, merci pour toute compréhension et merci parce que vous avez accepté le sacrifice pour te faire passer dans ça avec nous. Que le Seigneur est capable de couvrir, que le Seigneur est capable de bénir abondamment et que nous nous retrouver dans les jours à venir pour nous continuer à faire servir le Seigneur. Nous souhaitons déjà, avec l'amour Seigneur, un très bon dimanche, un très bon après-midi et une très bonne semaine dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci.